C'est ici, dans l'anse de Pointe-à-Pitre, que commence l'histoire des engagés indiens à la Guadeloupe. En décembre 1854, l'Aurélie, un navire français, y accoste avec à son bord 314 engagés indiens venus remplacer dans des exploitations sucrières les esclaves nouvellement affranchis. Un peu à l'écart du port, une stèle rend hommage à ces victimes méconnues de la colonisation française, qu'on appelle aussi des coolies. Michel Narayanin Sami est lui-même un descendant d'engagés. Aujourd'hui à la retraite, il se consacre à l'arboriculture. Il a acheté ce terrain et a décidé de planter des milliers d'arbres, notamment des essences indiennes. Michel s'emploie également à faire connaître l'histoire de ses ancêtres indiens. Il faut savoir que 44 553 Indiens ont quitté l'Inde, fort de leur contrat rassurant et qui prévoit au terme de leur contrat de 5 ans leur retour en Inde, dans leur pays natal, aux frais de la colonie. 1680 sont morts au cours des différents voyages, et donc 42 873 sont finalement arrivés en Guadeloupe. Les bateaux sont aménagés pour accueillir dans l'entrepont les travailleurs engagés. Il s'agit souvent de paysans pauvres fuyant la famine, recrutés dans les campagnes reculées autour des ports de Pondichéry ou de Calcutta. Entre 1854 et 1889, ce sont plus de 93 convois d'immigrés indiens qui partiront. Le voyage sera long, les premiers bateaux feront escale à l'île de la Réunion, les suivants passeront par le canal de Suez avant de traverser l'Atlantique, pour finalement arriver, après 2 mois de mer, à Pointe-à-Pitre. Une fois débarqués, les Indiens sont mis en quarantaine, puis ils sont emmenés dans les usines ou dans les plantations de canne à sucre, chez les propriétaires qui ont passé commande de cette main-d'œuvre très bon marché. Ernest Moutoussamy connaît bien l'histoire de l'engagisme. Il a écrit plus d'une trentaine de livres et de recueils de poésie sur ce sujet. On a fait appel aux Indiens, pas par générosité ni par humanité, c'était pour sauver la culture de la canne à sucre. Et de fait, ici en Guadeloupe, l'engagisme a été une forme déguisée d'esclavage. Ça a été un asservissement et on a ramené en plein milieu du 19e siècle, la vie guadeloupéenne à ce qu'elle était en France au Moyen Âge. C'est-à-dire, on a asservi les Indiens, c'était des serfs, et les colons étaient des seigneurs féodaux. Et ce n'était pas une situation facile. Pour Brigitte Rode, conseillère départementale, les premiers engagés ont connu le même sort que les esclaves. Il y avait une famille qui a été célèbrement, piteusement connue comme étant vraiment un des bourreaux des Indiens. On disait même « Indiens par Nilarad » parce que c'était des économies de plantation. Et sur les plantations, eh bien, il n'y avait plus l'esclavage, mais il y avait ce rapport d'exploitation de l'homme. Et lorsque les Indiens allaient sur ces terres-là, eh bien, c'était aussi à coups de pied. Vous avez des écrits qui montrent que certains, eh bien, ils étaient dans des barriques avec des fers comme cela, et puis on les faisait rouler. Donc, c'est une histoire douloureuse. Hein. Vous savez, travailler sans salaire, travailler comme si c'est une punition, travailler comme si c'est une obligation
pour servir un maître, ça ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Et c'est plutôt une malédiction. Et cette malédiction, on la porte pendant un moment. Mais après, il faut s'en défaire. Mais les sévices, il y en avait à tout niveau, y compris les violences physiques. Pour mettre fin à ces dérives, les Anglais qui gouvernent l'Inde à l'époque imposent aux Français en 1861 la signature d'une convention censée protéger les travailleurs indiens déportés vers les îles. Cette convention prévoit la signature d'un contrat de travail. L'article 3 aligne les conditions du recrutement sur les règles en vigueur dans l'Empire britannique. L'article 8 stipule que ce contrat devra préciser la durée de l'engagement, la durée du travail ou encore les conditions pour obtenir l'assistance médicale. Pendant très longtemps, les Britanniques ont suivi comment les choses se déroulaient, parce que l'objectif même de cette convention de juillet, il ne fallait pas que ce flux migratoire ressemble en rien à l'esclavage. Mais, comme je l'ai dit, sur le terrain, il y avait quand même des violences assez terribles qui étaient faites. Les contrats de travail reprennent toutes les directives imposées par la Convention de 1861. Ils sont assez précis. Par exemple, l'article 2 prévoit que la journée de travail ne pourra pas dépasser 9h30 et que l'engagé ne pourra pas travailler plus de 6 jours sur 7. L'article 7 rappelle le droit au retour en Inde des engagés. Ces contrats sont proposés avant leur départ à des paysans qui le plus souvent ne savent ni lire ni écrire. Les colons, eux, ne respecteront pas leur engagement et nombre d'Indiens resteront malgré eux en Guadeloupe. Mon arrière-grand-père qui revient, qui était de Calcutta, il a été trompé comme ses cousins, comme des amis et comme d'autres, mais durant des décennies et des décennies. Michel part à la rencontre des descendants d'engagés et recueille leurs témoignages. L'habitation était en haut, sur la colline, là où on voit les pylônes. Il y avait des maisons, tout ça c'est démoli maintenant, mais il y avait plein de choses là-haut. C'était là l'habitation, les gens habitaient. Et ici, c'était que des cannes. On attachait les vaches, tout ça ici. Là, c'est là qu'il pissait Béda. Donc, c'est là qu'il met en lourd, je veux dire, qu'il puisse déployer là. Mm-hmm. Alors, ça, c'est le puits de Saint-Bernard. Et là, ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents m'ont toujours dit qu'il y a beaucoup d'Indiens qui se sont suicidés ici. À raison que quand les colons leur demandaient de faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas, les Indiens disaient jamais. La mort plutôt. Alors, ils se suicidaient. Et c'était un moyen de se... Ils sautaient dans le puits et ils se suicidaient, quoi. Donc ici, là, je sais qu'il y a beaucoup d'Indiens. Ma grand-mère m'a dit beaucoup, même dans nos parents, il y en a qui se sont jetés là. Donc ce qui fait que c'est resté. Et jusqu'à aujourd'hui, mes enfants le savent, on en parle toujours de ça. C'est un peu triste de le dire à chaque fois qu'on pense à ça, mais bon, malheureusement, c'était comme ça. Il fallait, quand on leur disait, par exemple, de manger la viande de cochon, ils savent qu'ils ne veulent pas manger, ils disent non, je ne veux pas manger, on l'oblige, ils se suicident. Donc, ils ne mangeaient pas, de, par exemple, la viande de bœuf, la viande de cochon, ou alors ils ne voulaient pas faire quelque chose, et on l'obligeait, donc ils préféraient le suicider. Il prenait la mort plutôt que de faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est la photo de mon arrière-grand-mère, la maman de mon grand-père maternel. Et elle s'est suicidée. Et voilà, des années après avoir demandé pourquoi mon contrat est déjà fini, pourquoi je ne retourne pas en aide. Mais elle s'est donné la mort, elle s'est suicidée. Et des centaines d'Indiens en Guadeloupe se sont donné la mort par suicide de cette manière-là. Plein de ses semblables avaient envie parce qu'on leur avait signé un papier leur disant « À la fin de 5 ans ou 3 ans, on vous retourne chez vous. » Quand vous signez un papier, c'est un contrat. La liberté, le respect de la parole donnée, signée, et où c'est une trahison envers l'humanité.
mais il y a eu beaucoup, beaucoup de suicides. Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à subir l'exploitation, on n'arrivait pas à l'accepter. Elle était inadmissible. Et donc, en désespoir de cause, parce qu'on ne peut pas retourner en aide. On ne trouve pas dans le pays les moyens, justement, de s'émanciper, de se développer. Donc, ça poussait assez facilement au suicide. Et de fait, l'Indien mourait, mais mourait, comme on dit, comme des mouches ici. Au large de Basse-Terre, c'est dans ce décor de cartes postales que les Indiens les plus récalcitrants sont enfermés par l'administration française. Cette prison sur l'île Cabri, qui dépend de la commune de Terre de Haut, c'est le lieu où des Indiens et d'autres ont été déportés et emprisonnés. Alors, concernant les Indiens, on doit distinguer deux catégories. Ceux qui avaient une petite peine étaient donc gardés ici, et ceux qui avaient d'autres peines beaucoup plus lourdes transitaient ici pour être transférés au bagne de Cayenne. Alors, les témoignages démontrent que les conditions de détention étaient extrêmement inhumaines et je pense qu'il fallait le faire savoir. En face, sur l'île des Saintes, une plaque rend hommage aux Indiens morts en détention. Pendant toute la période de l'engagisme, des milliers d'Indiens sont morts sur cette terre étrangère. La première personne indienne décédée ici a été une dame, Emélie Imaladom. Elle est décédée 6 mois après son arrivée, le 9 juin 1855. Bien sûr, elle devrait être incinérée, c'est interdit. Et au lieu de l'enterrer dans le cimetière du commun des mortels, situé à proximité du bourg, on a considéré qu'elle n'avait pas droit à être enterrée en terre chrétienne et on l'a expédiée assez loin du bourg, dans un ancien cimetière d'esclaves. Et c'est ainsi qu'est né ce cimetière, devenu effectivement, au fil du temps, le cimetière des Indiens, car ils mouraient par dizaines et centaines ici. C'était un coin de bois. Et surtout, quelque chose qui frappe, les Indiens ne sachant ni lire ni écrire, c'était l'anonymat le plus total. Et en réalité, c'était presque une décharge de cadavres. Ernest Moutoussamy, lorsqu'il était maire, a rebaptisé le cimetière des Indiens en cimetière de Raisin Clair, du nom de la plage attenante. Chaque année à la Toussaint, la famille Népaul vient honorer ses défunts. Nos ancêtres, on peut voir les gens, les personnes qui nous ont précédés, qui faisaient partie de notre famille. C'est peut-être c'est ici qu'on rencontre tous les membres de notre communauté. Rechercher l'histoire de ses ancêtres engagés, c'est la passion de Daniel Minacci, qui s'est formé à la généalogie. En travaillant sur la généalogie, on arrive à savoir des choses.
puisque bon, on se rend compte, et puis bon, on comprend aussi l'immigration, on comprend les alliances des familles. Donc en Inde, il y a ce problème de caste, mais je pense que ça s'est reproduit ici aussi, puisqu'on voit quand même que les familles ne se sont pas tant mélangées que ça. Elles restaient vraiment dans leur cadre social, on va dire, leur niveau social, donc, qui était le même pour tout le monde, évidemment, arrivé ici, puisque tout le monde était paysan, en fait, hein, cultivateur pour la plupart. Mais dans les mariages, on se rend compte quand même que c'était déjà... que c'était reproduit par rapport à ce qui se passe en Inde. Donc c'est ma roue ascendante, avec d'un côté la famille de ma mère, et d'un côté la famille de mon père. Quand on sort un livret comme ça par exemple, eh bien vous avez non seulement votre famille, mais aussi les descendants de vos aïeux. Vous voyez, il y a deux numéros ici, numéro 33-510, 43-419. Ces numéros-là, ça donne une indication de la date d'arrivée des gens. Ils sont partis du 0, hein, c'est-à-dire du 1, jusqu'au 43 000 et quelques. Hein. Donc, plus vous avez un numéro petit, plus vous êtes arrivé tôt. Par exemple, à Capesterre, c'est Lena Ryan et sa amie, que j'ai retrouvé qui avait un numéro 53. Et ça faisait partie vraiment du premier convoi. Et là, vous vous rendez compte que sur la Grande Terre, où les gens sont arrivés beaucoup plus tard que nous, Moule, Saint-François, ils sont arrivés vraiment avec les derniers bateaux, ils portent des numéros 43 419. Et là, j'ai un numéro de 33 000 qui correspond aux années 70-75. Donc, ce tableau représente la naissance de mon arrière-grand-père, donc l'accouchement de Lakshpatia, sur un bateau de l'immigration indienne dans le courant de mars 1886. Parce que déjà, pour commencer, on n'a pas de visage. Même si on est entre 1854 et 1861, même si la photographie, il y a une pratique photographique, et notamment de la photographie ethnographique en Guadeloupe, il n'y a pas d'image de femmes où elles sont nommées par famille. Il n'y a pas de collection. Il y a des collections ethnographiques, donc des inconnues qui sont représentées pour une catégorie de personnes. Mais on ne peut pas dire qui est cette femme. Par exemple, dans les archives, au niveau des collections des archives départementales, on ne peut pas dire si l'on s'est engagée. On sait juste que c'était une femme immigrée qui travaillait en tant qu'amarreuse, en tant que dame, donc bonne d'enfant, sur une plantation. Mais on ne peut pas. Il y a eu un déni, un effacement de son identité, et donc une perte pour sa descendance. Mon aïeul est arrivé à part le dernier bateau Nantes-Bordeaux en 1889 et arrivé en Guadeloupe, lui était d'origine bengali, d'ailleurs Calcutta, on appelle ça des Calcutta, et avec un savoir-faire, un savoir-être. Il fallait garder leur culture, leur manière de vivre de là-bas, manger de la même manière, c'est-à-dire le paoka, le pichenga, le molinkile, le morenka, etc., pour pouvoir résister à la chaleur, résister au travail, résister à l'oppression coloniale. Alors, la France est un pays assimilatrice, contrairement au monde anglo-saxon, puisque tout doit être français. Seulement, l'Inde a eu une capacité historique extraordinaire de tout accepter sans jamais se renier. Et les Indiens en Guadeloupe ont suivi cet exemple, cette règle d'or. On accepte tout, jamais on se renie. Donc l'assimilation, on a tout fait. L'Église catholique et tous les instruments qui étaient au service de cette assimilation ont été utilisés, mais on n'a pas enlevé à l'Indien son âme ni son patrimoine. Parce que ce n'est pas possible. C'est la colonisation française qui veut ça, pour coloniser aussi l'âme, le mental, la manière de faire des gens, pas seulement leurs bras pour leur travail, mais aussi, donc on dit ça, forcer à être catholique, à forcer à baptiser, à en être baptisé. Et d'ailleurs, les évêques de l'époque disaient qu'il ne faut pas aller dans les temples hindous, il ne faut pas faire la pratique de l'hindouisme, sinon excommunié. Plus qu'un besoin, c'était un bonheur pour nous et pour la Guadeloupe de disposer
de cette culture indienne. Et je crois que les Indiens, se trouvant sur cette terre où l'esclavage avait vécu, qui était une terre de néant, les Indiens, à juste raison, ont lutté pour sauvegarder leur patrimoine et leur identité. Et de fait, ils ont réussi à maintenir cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des pratiques qui ont disparu en Inde. Mais parce que l'héritage se transmet, surtout que l'oralité a occupé une place majeure chez nous, parce que c'était la seule façon de faire connaître le passé. Et l'Indien, malgré le poids de l'assimilation, n'a jamais voulu se déposséder de son être, de son âme. Et donc, il a tout fait pour sauvegarder cette identité-là. Et c'est un bonheur que de pouvoir aujourd'hui participer à ces cérémonies, participer à ces rituels et voir comment l'Inde est présente ici. Et j'appelle d'ailleurs l'Inde aussi à jeter un œil sur nous, parce que nous sommes une page vivante de l'Inde ici. Nous sommes une page vivante, effectivement, de ce pays qui a tant donné à l'humanité, et y compris chez nous. Alors le samblani, c'est un rituel pratiqué donc par la communauté d'origine indienne de Guadeloupe où nous honorons effectivement tous nos défunts. C'est-à-dire c'est un moment où toute la famille se réunit, des membres qu'on n'a pas vus depuis effectivement pas mal de temps, disons l'année écoulée, et nous offrons aux défunts tout ce dont ils aimaient. Voilà, donc accompagné d'un fond sonore musical, de chants religieux. Il existe aujourd'hui en Guadeloupe de nombreuses associations culturelles indiennes. Ici, bien sûr, on raconte l'histoire de l'engagisme, mais on essaye aussi de faire connaître la culture indienne tout en revendiquant l'intégration en France et le mélange des cultures. Nous sommes bien intégrés en Guadeloupe parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un grand homme ici, Henri Sénabar, on ne peut pas le nommer, hein, qui a mené un procès politique pour que nous puissions avoir les mêmes conditions que les autres compatriotes européens. Et ça a duré de 1903 à 1904. Et exactement au jour où nous sommes, les Guadeloupéens d'origine indienne participent à la construction du pays dans les mêmes conditions que les autres compatriotes guadeloupéens. Henri Sidambaram est un homme politique d'origine indienne qui, après un procès qui durera 20 ans, obtiendra en 1923 la nationalité française pour les Indiens de Guadeloupe et leurs descendants. Fred Nigrit est un descendant d'esclaves noirs. Instituteur à la retraite, il est passionné de langue indienne. Aujourd'hui, il enseigne le hindi et le tamoul.
Alors, effectivement, il y a beaucoup d'Indiens qui considèrent leur situation comme un nouveau système d'esclavage, en fait. Et d'ailleurs, lorsque la Guadeloupe a accueilli ces immigrants indiens, leur situation était très proche de ceux des esclaves. Bon. Maintenant, ces descendants d'immigrants indiens, ils ont cette chance, cette fierté, comme les immigrants d'ailleurs d'origine africaine, d'avoir une culture très riche. Et nous sommes fiers, nous, Guadeloupéens, de pouvoir contribuer dans notre dimension indienne à cette culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui environ 55 000 personnes d'origine indienne à la Guadeloupe sur une population totale de près de 400 000 habitants. Les descendants d'engagés sont en majorité des agriculteurs ayant pu racheter de la terre aux colons à la fin de l'engagisme au début du XXe siècle, une terre qu'ils ont su enrichir et exploiter. À proprement parler, on n'est pas indien ici. On est originaire de l'Inde, mais on est d'abord guadeloupéen. Guadeloupéen avec des racines indiennes, et en précisant que cette racine indienne est une des quatre racines qui font l'homme guadeloupéen aujourd'hui. La racine amérindienne, la racine européenne, la racine africaine et la racine indienne. C'est ça le guadeloupéen. Et l'indien, enfin le guadeloupéen d'origine indienne, il doit faire vivre cette racine-là et l'ancrer au mieux dans le sol et dans l'âme de son pays. Je considère que l'indianité a sa place ici dans la culture guadeloupéenne. Et c'est vrai que le travail n'est pas fait. Il est vrai que peut-être les premiers responsables sont aussi les Indiens, parce qu'il faut qu'ils mettent en valeur ce patrimoine culturel. Mais il y a bien sûr une volonté dominatrice et on subit cette loi de domination de la majorité et l'indianité. La culture d'origine indienne, la spiritualité, tout ça est un peu marginalisé. Je le regrette parce que c'est avec ces atouts, ces éléments que le Guadeloupéen sera encore plus grand. Et la dimension universelle qu'il porte en lui ne peut pas être une dimension infirme. Il faut qu'elle traduise effectivement tout le capital constitutif de l'identité guadeloupéenne. Donc l'indianité a sa place et une place pleine et entière. Même si les Indiens revendiquent leur intégration dans la société guadeloupéenne, ils n'oublient pas qu'ils font partie des victimes du système colonial français. C'est une histoire douloureuse. Notre construction en Guadeloupe relève de douleur, relève de sueur, relève de sang, relève de travail. Et c'est toujours l'exploitation du système français contre ceux qui ont été mis en esclavage, les Africains, les déportés africains qui sont devenus créoles, puis contre ceux que l'on a trompés en tant qu'Indiens venant pour l'engagisme, et ainsi de suite. Au niveau français, ce qui dominait et qui bénéficiait de la priorité, c'était l'histoire glorieuse de la France. Donc on n'entendait pas évoquer les pages difficiles. Et de fait, on a effacé, on a ignoré, on a oublié, y compris sous l'esclavage, on n'a pas tout dit, loin de là sous l'esclavage. Donc on a ignoré totalement l'engagisme. Mais c'est vrai que c'est une partie constitutive de notre patrimoine, de l'histoire de notre peuple et de notre identité. La France doit assumer cette histoire. De même que nous,
Nous devons assumer totalement notre histoire. Et c'est pourquoi je dis à mes compatriotes, oui, il faut se plaindre, la France, la France, mais commençons nous-mêmes par faire ce qu'il y a à faire, les recherches, pour que nous puissions faire connaître au monde la vie qui a été celle de nos ancêtres. Par conséquent, cet engagisme-là, où aujourd'hui on ne sait pratiquement rien, eh bien, il faut le mettre à l'ordre du jour et il faut qu'il soit connu et qu'il devienne une page de notre histoire. Sur la commune de Capesterre se dresse un monument célébrant la mémoire des engagés en Guadeloupe. Ce monument en marbre d'architecture indienne a été financé par les Indiens de l'île. Mais ces 45 000 Indiens arrivés à partir de 1854 sont-ils vraiment venus remplacer les esclaves ? Sur cette courbe, on peut voir que le nombre de travailleurs dans les plantations baisse significativement juste après l'abolition de l'esclavage. Mais on retrouve pratiquement les mêmes effectifs en 1853, avant l'arrivée des engagés indiens. Alors la question se pose, pourquoi on les a fait venir alors que le nombre de travailleurs sous les habitations, les nouveaux libres, avait atteint le même niveau qu'avant l'abolition de l'esclavage? Eh bien, la raison réelle de la venue de ces engagés indiens, c'était pour, on les a utilisés pour freiner les premières velléités revendicatives des nouveaux libres. Je ne ferai pas le procès de l'histoire de la France, mais ce n'est certainement pas une histoire glorieuse pour les peuples d'ailleurs. Et tous les peuples qui ont eu à subir la France, mais dans sa globalité, ont souffert. Et ont souffert durement, tant et si bien que l'esclavage, où l'homme n'était pas un être humain, en définitive, s'est pérennisé au niveau des mentalités, au niveau des structures. Et de fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'émancipation, c'est vrai qu'il y a l'épanouissement, mais on n'a pas tout effacé. Et il y a encore des choses qui restent dans la société et qui rappellent ces temps difficiles et qui sont de mauvais souvenirs. Mais enfin, on doit quand même considérer que la France, pays du droit de l'homme, ne doit pas faire l'impasse sur ce qui est son histoire, c'est-à-dire ces pages tragiques du peuple français. Maintenant, à chacun sa conscience. À chacun sa conscience. Il y en a qui reconnaissent que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas se repentir. Je ne reprendrai pas le grand livre en disant que le Fils de l'homme doit se repentir. Je dirais juste que lorsque l'on a eu la conscience d'avoir commis des crimes ou d'avoir commis des erreurs, même si on n'est pas comptable de ceux qui l'ont fait, on est quand même responsable en tant qu'État et en tant que gouvernement. Ce qui est un peu frustrant, c'est de voir 166 ans après l'arrivée des premiers Indiens, les autorités françaises, jusqu'à ce jour, n'ont jamais parlé de cette histoire douloureuse qui fait partie de l'histoire coloniale de la France.